Je suis fasciné, voyez-vous, à l'idée qu'un homme, qui plus est un père de famille, puisse quitter les siens et ses responsabilités les plus importantes pour aller se battre sur un champ de bataille face à des gens qu'il ne connaît pas, qu'il n'a absolument jamais vu. Il ne connaît pas ni ce pays, ni le drapeau, ni la langue, ni l'histoire. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est allé se battre, il est allé tuer des gens, tout cela parce qu'un homme politique, un employé de banque, est parvenu par un discours hypnotique à le convaincre qu'il agissait pour le bien, pour la justice, pour les droits de l'homme, la démocratie. Alors, en tant qu'humoriste, on est tous à la recherche de la blague qui tue. Mais là, je m'incline.